Salut bébé. Salut. Ah, tu vas. Ah. Tu es toute belle. Oui, effectivement. Alors. Je suis pas au travail comme ça. Au travail, aujourd'hui c'est lundi, non? Qu'est-ce que c'est ton problème? Désolée, il y a des clients qui viennent m'appeler là. Ouais. Ouais, demain, là, un anniversaire, donc ah ouais. Lui, elle m'a demandé de venir la coiffer. C'est juste pour 2 heures du temps. Mais normalement, on n'avait pas prévu ça, tu sais. Effectivement. Mais... aujourd'hui, c'est lundi, c'est ton jour de repos. C'est le travail, je fais comment. C'est pas prévu, mais c'est le travail, hein, m'a appelé. Et toi, mais tu connais un peu la situation actuellement, c'est un peu bizarre, et surtout sur toi aussi. Pour le moment, tu me fais rien, tu es là, je suis obligé de. Ouais, je sais, mais écoute, d'accord, je comprends, mais aujourd'hui c'est lundi. Et puis hier, tu ne m'as pas dit. On a dormi, on a tout fait, tu ne m'as rien dit. Chérie, comprends-moi, je suis désolée, elle vient à peine de m'appeler. Je t'ai dit, je te montre le message, tu ne me crois pas? Regarde le message, elle vient à peine de m'appeler. Ouais, je veux bien croire, mais bon, après, comprends-moi aussi. Moi, je veux passer du temps avec toi. S'il te plaît, comprends-moi, s'il te plaît. Je ne vais pas tarder, comme je t'ai dit. Mais bon, après, tu rentres à quelle heure? Je rentre dans 2 heures et dis-moi, mon temps, qu'est-ce qu'on a ce soir? Bah, je sais pas, on peut se faire un resto, tu veux? Ouais. Tu m'invites à aller? Bien sûr, mais tu vois, parce que je bosse pas, je vais être fou. Non, pas ça. Yeah. Je dis pas ça pour te vexer, désolé. Ok, ça marche. Ah, ta mère, c'est un peu. Désolé. Ah, oui, ok, donc. Ouais, oui, je suis là. Attends. C'est qui ça? Non, c'est personne. C'est une amie. Ouais, elle a des soucis avec son mari, du coup, je pense qu'on peut. Et c'est pas le conseiller maintenant? Attention à toi, hein. T'inquiète. Attention. Tu sais que c'est toi que j'aime. Ok, chérie. Allez, gros bisous. N'oublie pas, t'as 2 heures. Ok. Hey, ça va, ma belle? Ça va, moi? Déjouer. Ouais, je suis là. Ah, t'as bien ton petit. Hein. C'est ça, c'est le travail. Le... Non, c'est moi de papa, t'as vu papa, comment? Je sors tôt et je rentre tard. Ouais, carrément. Souvent, vraiment, moi aussi dedans, souvent, je bouge aussi dedans. Ouais, ouais, wow. C'est ça. M'excuser, hein, mais à mon moment, là, c'est comment? Ouf, on parle de ton mouvement, c'est vrai. Comment tu connais? Ton petit est là. Ce qu'on va faire. Tu es là demain, non? Ah, j'ai tombé, tu connais, j'ai toujours dit. Ok, demain matin, je vais te voir. La folle, hein, merci. Non, t'es belle, hein. Belle matin. Merci. Ouais, donc tu danses à moi. Je vais pas au travail. Ouais, va dans la même temps, tu connais, mais la nuit, c'est un fou jeton, là. Tu changes pas un tout, je suis la vieille, mais là. Ouais, donc tu connais, c'est une soutane. En tout cas, tu es bien, t'es un homme qui est sérieux. Voilà, tu connais, le tout, moi. J'ai un cours de demande à ce moment-là. Hé, la médecine, ah oui. Donc, le soir, on... Voilà, je prends. Je viens à la science. Je sais, écoute, le principal problème, c'est parce qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps, tu vois. J'ai pas trop de temps, je suis vraiment occupé, en fait. Et il y a ma femme qui était là, bon, elle est partie, mais... Bon, tu veux qu'on se voit à quelle heure? Ok, c'est quand tu veux. Mais il faut pas que ça mette trop de temps. Je t'aime, tu sais que je t'aime. Ma femme, c'est qui? On parle pas d'elle. On ne parle pas d'elle. On n'est pas en train de parler d'elle. Oh, petit. Ça va? Ouais, vieux. Ouais, ça va. Non. On dit quoi? Ouais. Ah, moi, Jacqueline, au fils de Dieu. Ouais, c'est lui-même. Il en esprit ou bien? Ouais, il faut, vieux. Comment, petit? Ouais. Mais vieux. Quoi? Mais vieux, en esprit, on voulait déplacer des trucs, non? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tout, prends ça, genre, façon, tout va bien. Tiens, ça, c'est un vieux. Ça, c'est quoi? J'ai pas dit de parler pour moi, mais là, si tu vois qu'il est venu vers toi, ouais. Tu peux comprendre. Vas-y. Dans mon vieux père, elle est déjà ma vieille mère. Ouais, viens pas. Oh, non, faut voir tout ce qu'elle fait pour toi. T'as déjà posé avec les moussons à côté, c'est con. C'est pas ma vie, hein. Mais là, moi, c'est ma vieille mère, elle science trop sur mon côté. Oui. Mais sans plaquer, il est venu vers toi. Ouais. En esprit, il sautait, non. Ouais. T'as vu causer au téléphone, là. Ouais. Vraiment, ça m'a fait bizarre. Donc, j'ai dit, attends, après, je vais là pour lui parler, pour l'avertir un peu. Attends. En quoi, quand je parle au téléphone, ça te concerne? Tu viens faire quoi? Je vais te parler, gars. Ah, il y a certains trucs qu'on ne fait pas devant moi-même là. C'est tout, mais. Mon vieux. Ah, mon vieux mort. Mais ça te regarde en quoi? Ça me regarde pas. Mais alors, si je parle à mes moussons ou quoi, je sais pas, ça n'a rien à foutre, on n'a rien à prendre. Bien sûr, c'est quoi ça? Moi, c'est là. Ça, c'est pas ma vie. Et en quoi ça te regarde? Rien. Dis-moi en quoi ça te regarde? Voilà. En quoi ça te regarde? Je vais m'asseoir pour parler avec toi. Oui, mais pas des mains. Ou bien parce que ma mère te donne un peu les sous, les petits jetons, tu te rappelles? Oui, ça vaut le sang, mais il veut te parler. Donc, c'est l'argent que tu achètes pour venir me raconter des choses. Jamais. Tu es malade, quoi. Non, vous, c'est ma vie privée. Tu parles de quoi? C'est pas le faire discours. Mais oui, quoi? Tu es mon vieux. Ouais. C'est juste un petit conseil.
déjà. Ok. Tu as commencé à t'énerver. Je m'énerve pourquoi? D'abord, t'es personne, t'es rien. Bien, attends, toi, tu es garçon. Tu es un garçon. Si. Il n'y a pas les filles avec qui tu parles de ton temps de femme. Bien sûr. Alors, mais ça te regarde. Attends, chut, chut. Ici, c'est chez toi. T'es un locataire. Si tu veux, moi, je te fous dehors. Si c'est pour te mêler de ma vie, je te fous là. Si, mais pas de ta vie, toi aussi, c'est pour ton. C'est pourquoi? Non, bien. On sait jamais, je ne sais pas. Regarde ce que je fais. Ça peut péter un jour. Regarde, si c'est pour me raconter tes conneries, tu fous quand je te fous à la porte tout de suite. Non, oui, c'est un jeu. Mais c'est parce que ma famille, tu veux baiser ma femme. Chez toi, c'est là-bas. Ouais, c'est chez ouais. Si tu veux pas, tu fous quand je te fous à la porte. C'est quoi que tu te prends? Tu n'as qu'un simple voisin. Lui, en est, lui, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, je n'ai rien à foutre. Je ne pas me écoute bien, écoute pas. Écoute-moi. Fais tout. En quoi ça te regarde? Je ne sais pas manger, je sais pas. C'est quoi ton problème? C'est toi qui payes ce que j'ai à. Ici c'est chez toi. Non, moi c'est pas. Alors ferme ta gueule, tu dégages, j'ai aussi. Tu es venu vers toi, tu as raison de parler. Non, non, mais tu es là, voilà. Tu viens, tu me parles. Ça, c'est là, moi t'ai donné. Tu m'as donné quoi? Je t'ai donné ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu m'as donné? On va dîner, ça c'est gâté. Je n'ai rien à foutre. On va pas se prendre la tête pour ma vie privée, tu comprends? Ah, faut pas te tu n'as rien, je n'ai rien à foutre de tout ce que tu as. Non, je parle, tu m'écoutes, je t'ai. Mais moi, c'est pas comme un enfant, écoute, causé, mais tu viens chez moi, tu me racontes des bêtises. Voilà, donc, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Rien d'autre. Mais alors, c'est quoi ça? Pas aimé, non, c'est bon, donc, fous le camp, dégage. Fous le camp, dégage. Viens, je te fous dehors. Ah, c'est quoi? Et moi, un petit impoli comme ça. Tu es malade. J'ai jamais balle, tu viens raconter tes bêtises. Et moi, je chien comme ça. Bouge, bouge. Oh. C'est quoi? Ça va, j'ai de l'eau. Ouais, le boulot, ça va. Ah, tu m'as dit. Ça va. Mais dis-moi, dis quoi, et ton chéri, il va bien? Chéri, il est sorti. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, pour le moment, tu sais, il n'a pas d'emploi. Ah bon? Ouais, il n'a pas d'emploi pour le moment. Bon, il sort un peu et voit comment on fait aussi pour l'aider. Est-ce que je vois les dépenses de la maison qui s'en occupent? Non, mais c'est moi ma copine. Tu sais que je suis battante, non? Oui, je sais, mais c'est pas pour toi que toi, si tu dois faire tout ça. Le moment où il m'a fait les avances, bon, j'essaie de... J'espère qu'il est bien. Oui, en tout cas, je l'ai bien. Et en plus, il est très mignon. Waouh. Ah, franchement, je l'adore. Ça va? Ça va bien? Bah, je sais tout pas, toi. Ah ouais? Oui, je me suis fait belle pour toi. Je trouve ça très beau. Franchement, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tiens, ton chien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vas-y, je vais me rappeler une chose de beau. Damn. Merci beaucoup. À quel moment t'as changé? Ah, mon bébé, tu connais plus. Tu t'es toute faite belle. Oui. Tu sais que je tiens à toi. Ouais. Tu sais, moi, je voulais vraiment passer du temps avec toi. À la maison, j'étouffe, ça me fait chier, ma femme et tout. Ok, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis tout à toi. Je peux te voir ça, mais. C'est quoi ce mystère? Tu caches comme. Waouh! Qu'est-ce que tu fais? Je fais une visite. Ah, il est bien. Pour le moment. C'est ça. Ouais, parce que c'est un début. Tu sais, quand ils viennent au début, ils sont très doux. Très bien. Donc, là, tu connais ça, toi. Non, toi, Marina, tu es forte. Ça me fait plaisir. Ça va. Merci. En tout cas, franchement, ton mari, je veux qu'il t'aide parce que là, c'est pas toi que tu dois faire le tour de la maison. Oui, je te comprends, je te comprends. Voilà. Il ne doit pas rester là, il doit profiter. Non, non, c'est pas un profiter, je te l'assure. Ah, mais ne le défends pas, qu'est-ce que tu en sais? Non. En fait. Non, c'est vrai parce que de nos jours les hommes ne maintenant c'est pas. Donc là, tu ne dois pas le défendre, c'est vrai que tu l'aimes là. Tu ne dois pas toi aussi le défendre. Ah ça, tu as raison. Voilà. Ça seulement tu as raison, je pense que ça va aller. Ça va aller. J'ai pas vraiment de temps, on peut passer du temps, du bon temps. Franchement, ma femme elle me saoule. T'es saoule, vraiment, je suis là pour toi. Ok. On n'a rien de parfait que toi. Je suis là pour toi. Juste pour moi. Oui. On va excuser. Pas de soucis. J'espère que mes gènes donc. Non, tu peux les enlever. Ouais, ça me dérange pas. D'accord. Tu m'enlèves les chaussures. Oui, bien sûr.
Le business dont on a parlé là. Oui. Ça tient toujours. Oui, tu sais, on doit faire ça pour plus avoir encore, tu vois. Les problèmes sont un peu trop, donc il faut qu'on fasse pour mieux s'en sortir, quoi, tu vois. En tout cas, moi, je tiens à ça. Je tiens à ça. Ok, le gars, je l'ai appelé la fois dernière, il m'a dit... Tu sais la nuit demain? Oui, demain, aux heures de quelle heure? L'horaire 14h comme ça. Ok, je suis disponible. Mais tu peux passer au travail demain comme ça. Ah, voilà, je vais faire signe au gars, il va venir et puis on va tout éclaircir. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est un très bon business. Oui, en tout cas, je suis intéressé. Voilà. Depuis le début, je m'as parlé de ça, je t'avais dit que là, je t'avais intéressé. Voilà. Donc, là, et mon chéri m'est venu s'intégrer. Ah bon? Oui. Ah là, il est intéressé. Le grand profil de sa connaissance. Voilà. Le voir. Tu l'aimes bien ton chéri, toi? Non, mais c'est ça, c'est mon chéri. C'est le père de mes enfants. Ah bon? Les futurs enfants. Ah. Donc, la raison pour laquelle est dans le business? Oui, on va le mettre dedans. Ah, ok, pas de problème. Oui, ça va, mon frère. Franchement, j'ai kiffé. Oui, moi aussi. Bien sûr. J'ai adoré. T'aimes bien beaucoup d'un et oh, les jambes, bébé, tu es magique. Ah ouais? Bien. Voilà, moi aussi. Mais c'est pour ça que je t'aime, tu sais. Normal, mon coup de rein, il est légendaire. Arrête, je me fais marrer. Oui. Tu te sens sensé. Désolé, bébé, en ce moment, j'ai trop de problèmes, en fait. Est-ce que tu te tracasses, bébé? Il y a ma femme qui me casse les couilles, d'abord, pour commencer. Il y a des soucis. J'ai mes parents, je dois m'occuper de mon frère. Mon frère, là, demain, il est malade. Mon petit frère, il souffre, je dois payer son école. J'ai tellement de soucis, en fait, qui font que parfois, quand tu m'appelles, je ne réponds pas, je ne suis pas disponible, tu vois. Si je ne peux pas t'aider, tu vas aller trouver de l'aide, ou? Je suis sûr. Oui, bébé. Non, mais après, moi, je sais que tu as des charges, je ne vais pas te déranger. C'est pas un problème, mon cœur. C'est pas un problème. Voilà, tu peux me prêter. Tant que tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. C'est vrai, ce mensonge. Sûr. Tu parles de ça, pourquoi le mensonge? Je suis très bien. Parce que les femmes d'aujourd'hui, on ne sait pas. Hein. Non, moi, je suis très bien, bébé. Alors, pour les sous, tu me les prêtes ou tu me les donnes? Je te les donne. Il me donne 15 millions. Oui, c'est pas un problème, tu sais. Ça cache quoi, cette arnaque? Mon sang. Il y a quelque chose, tu veux me tuer, tu... Non. Ouais. Parce que j'ai envie de t'aider. Ou bien t'as juste envie de me manger. En tout cas, on n'en est pas là. Ah bon? Ouais. Oh. Et si on repartait un peu dans l'autre monde, ça va? Je sais même pas comment on va t'habiller, bébé. C'est elle qui a... Putain. Oui, allô, bébé. Allô, chérie. Oui, tu es où, là? Je suis chez un de mes potes, là, vite fait. Je suis avec un de mes potes. Je suis avec Nathan, en fait. Avec Nathan? Encore lui? Non, mais tu sais, il est quelle heure, là? Je suis avec mon pote Nathan. Je t'ai dit que je suis avec Nathan. Mais ton ami, là, je ne le connais même pas. Toujours Nathan, je ne le connais pas. Ouais, on s'est arrêté dans la rue, on boit un verre, vite fait. Ouais, je sais que j'ai l'air... Je suis seul, comme je t'ai dit. Je suis fatigué, j'ai trop... De toute façon, j'arrive, hein. T'inquiète, mon bébé, t'inquiète. Je suis juste avec mon ami. Je vais aller faire la cuisine, j'ai fini, je t'attends pour manger, je te trouve pas. Et tu me dis, tu es avec ton ami, est-ce que c'est bien comme ça? Non, t'inquiète, je suis avec Nathan, vite fait, ouais, on boit un verre, et ensuite je viens, vite fait. T'inquiète pas, bébé. Ok, d'accord, je suis là, je t'attends. Je t'attends pour manger, hein, j'ai pas encore mangé, je t'attends. D'accord, tout à l'heure, chérie. C'est moi, je suis ton pote, t'es sérieux, là? C'est moi, je suis d'accord. Tu sais très bien que c'est une folle. Et je veux pas que tu aies des problèmes, en fait. Je m'arrête ça. Je veux pas que tu aies des problèmes. Tu sais que t'es une mauvaise. Tu sais que je t'aime.
Après, je m'en fous d'elle, tu sais. De toute façon, je m'en fous d'elle. Mais vous faut d'accord. Prends son pouvoir. Tu peux prendre son pouvoir dans ton camp. Pourquoi tu travailles? La balle est dans ton camp, bébé. Ouais. C'est mais... à toi de choisir. Hein. Elle, je voulais pas. Tu sais que c'est toi que j'ai choisi. Elle n'est personne. Tu as vu l'heure? Il est déjà presque 3h, 2h et quelques. Et là, tu viens de rentrer. Tu trouves ça normal? J'étais avec Ivan, Nathan et Adama, je te l'ai dit. Oui, bébé. Oui, tu me parles toujours de tes amis, mais je ne les connais pas. En fait, toujours c'est tes amis, toujours. Quand est-ce que tu vas penser à moi? Moi, je ne suis pas au boulot, je rentre les soirs, je ne te trouve pas. À chaque fois, tu es avec tes amis. Tu trouves ça normal? Et t'as dans la nuit. Tu es sûr que si je te fais ça, ça va te plaire? Évidemment que. Mais pourquoi tu me fais ça? Non, mais je te l'ai dit, je suis avec Nathan, Ivan et Adam. Non, mais c'est pas possible. C'est pas bien comme ça. Tu peux pas me laisser dans la main depuis tout le temps, tu vas être dehors. Parce que actuellement, tu n'as pas de situation. Je me bats pour pouvoir te soutenir. Mais j'ai comme l'impression que tu joues avec mon esprit, en fait. Tu veux que je reste à la maison et ne rien faire comme ça? Non, mais tu es allé. Qu'est-ce que tu faisais avec tes amis? J'étais avec mes potes. On s'est pris dans la rue. Oui. Voilà, Nathan, Ivan, Adama, on a bu un verre, on s'est assis. Vous avez pris un verre, donc c'est ça? C'est ça ton travail? C'est ce que tu as eu à faire? Je vais pas, mais quand je rentre, je dois trouver mon chéri à la maison. C'est un jour que tu prends pour aller prendre, tu prends avec eux pour boire des. Pourquoi tu ne prends pas ça venir à la maison pour faire quelque chose à la maison? Et tu me laisses tous les charges. Donc je vais demander de l'argent à mes amis juste parce que je dois acheter un kilo de riz, c'est ça? Non, mais si tu peux demander l'argent à tes amis, reste à la maison au moins. Faire quoi? Reste au moins à la maison. J'ai tout le temps dehors. Ah ah, j'ai tout le temps dehors. Donc c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Il y a quel problème? Dis-moi, s'il y a un souci, tu me dis. Bébé, j'étais avec Nathan. Et ton ami dont tu parles tout le jour. Nathan, tu ne connais pas Nathan? Je ne le connais pas. Tu ne l'as jamais présenté. Nathan Techno est mon frère. Non, mais je ne le connais pas. Tu me l'as une fois présenté? Je ne le connais pas. Tu me parles de lui, mais je ne le connais pas. Ton téléphone sonne. Est-ce que c'est moi? Je te demande pourquoi ça sonne à 2h du matin. Mon téléphone sonne? Mais si mon téléphone sonne, c'est à cause de quelqu'un. Qui? Ça pour le travail. À 2h? Non, mais tu viens regarder cliente. Attends, je te montre. Tu vois? Cliente Marie. Tu veux, mais je te montre comment de la journée causerie. Tu m'excuses, bébé, j'étais avec Nathan. Parce que demain, on a rendez-vous, en fait. Tu peux regarder notre message. On a rendez-vous demain matin. Non, regarde, moi, je te montre toujours les preuves. Hein. Mais toi, tu ne me montres jamais tes preuves. Tu étais avec ton ami. Qu'est-ce que tu es avec ton ami? Tu peux me dire? Les preuves que tu étais avec ton ami, tu peux me dire? On n'a pas fait de selfie. On a fait le show en caméra. Bah, je peux appeler ton ami, mais dis si tu es. C'était un show en caméra. Non, dis-moi, est-ce que tu peux appeler ton ami? J'ai trop bu, putain. Dis-moi, tu peux appeler ton ami pour qu'il me confirme que tu es avec, lui? Tu peux l'appeler? J'ai plus son numéro. Tu as perdu le téléphone, si je comprends. Tu remarques bien, j'ai pas de téléphone. J'ai fait tomber mon téléphone en venant. Non, mais chérie, tu me dépasses, hein. Tu me dépasses. Tu sors jusqu'à ce que tu perds ton téléphone. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je peux dormir là. Ok, vas-y, vas-y. Tu peux te mettre derrière là. Moi, je vais sur le canapé. Pourquoi tu fais ça? Non, je suis désolée. Toujours. C'est quoi? Je suis fatigué. Bonsoir mon petit, ça va? Ouais, ça va. On dit quoi? Ouais, ça va. Eh oui, la rue, mais qui ça? Oui, c'est ton mari qui a la café tout. Non, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Je suis en train de. Oui, je suis au téléphone. Non, il t'a jamais vu comment parler sur les. Oui, il y a des jeux comme ça, non.
J'espère que je me fais bien comprendre. Je vais te foutre à la porte d'ici demain. C'est quoi? Oh!